Les quatre très silencieux réacteurs Rolls-Royce Trent 900 délivrent 144 tonnes de poussée, c'est-à-dire 36 tonnes par moteur. Des chiffres, des dimensions impressionnantes. Pour exemple, la gouverne de profondeur, c'est-à-dire la gouverne qui est horizontale à l'arrière de l'avion, bien c'est la même taille que l'envergure d'un Airbus A320. Ça vous montre combien cet avion est gigantesque. Il est d'une masse maximale au décollage de 575 tonnes, 73 mètres de long, 80 mètres d'envergure. Et grâce à l'utilisation de commandes de vols électriques qu'on appelle les fly-by-wire, l'Airbus A380 est aussi manœuvrant qu'un petit Airbus A320. Petit Airbus s'il en est bien évidemment, mais par rapport à l'autre. Deux autres avantages majeurs, une distance franchissable de plus de 15 000 km, un faible coût d'exploitation par siège passager, il est inférieur de 15% aux avions existants sur le marché. iFly, cette compagnie aérienne, utilise cet avion et Gérard Desbois, ce mécanicien navigant, me disait c'est cet avion, il est neuf. Voilà, il a beau avoir des heures de vol, il est tellement bien entretenu, il est quasiment neuf. L'Airbus A380 de chez iFly est équipé d'une technologie de pointe et d'intérieur de cabine 5 étoiles et chaque siège dispose de son propre siège IFE, c'est-à-dire donc les systèmes pour le loisir, le plaisir, et donc plein d'options divertissement en vol et puis une expérience d'utilisateur optimisée. La performance de l'Airbus A380 s'inscrit dans le droit des engagements environnementaux de la compagnie iFly. Produisant seulement 75 grammes de CO2 par siège passager, l'A380 minimise les émissions de gaz à effet de serre en étant capable de transporter plus de personnes avec moins d'impact sur l'environnement. Et à ce titre, la compagnie aérienne iFly salue la campagne de la fondation Mercury Sauvons les récifs coralliens et qui vise à renforcer dans le monde entier le message de durabilité et de protection des mers. C'est un avion spectaculaire, il est peint des deux côtés. Vous avez remarqué, il y a des couleurs différentes de chaque côté. D'un côté bleu foncé, il affiche des coraux détruits. Ça contraste avec le côté bleu clair qui représente un océan immaculé, une vie marine colorée et saine. Une grande cause exige une grande réponse. Et c'est maintenant le plus grand avion commercial sur la planète qui porte ce grand message autour du monde. Avec cette initiative, iFly sensibilise à cette campagne sans précédent. La lutte contre la destruction des récifs coralliens et si aucune mesure n'est prise, on sait que ces beaux écosystèmes vont disparaître d'ici 2050. Avec 50% des coraux du monde déjà disparus, des mesures doivent être prises immédiatement. Avec une sensibilisation qui est la première étape. iFly, c'est une compagnie aérienne européenne. Elle est spécialisée dans la location d'avions à grande échelle et à d'autres compagnies aériennes ou gouvernements, tout cela autour du monde. Et regardez, c'est écrit sur la cellule. Not too late for coral reefs. De Gérard Desbois, c'est son dernière présentation au Salon du Bourget puisque c'est son dernier vol, il prend sa retraite. Et bien sûr, c'est la fin d'une carrière, c'est aussi le début d'une autre parce qu'il va voler dans les aéroclubs, il a plusieurs avions. Et puis c'est un monsieur qui écrit des livres, il a écrit autour des avions, des hommes et l'avion.